Okay, so today we're going to be continuing to talk about building a student movement. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de bâtir, construire une association d'étudiants. We're going to look at starting, building and maintaining a movement across the four Nous talks. allons parler de comment commencer, bâtir, maintenir des associations d'étudiants dans nos groupes différents. And I'm going to just pray for this session in particular before we start. Prions pour la session en particulier avant que nous ne commencions. Lord, we acknowledge who you are and what you have done for us all. Seigneur, nous reconnaissons qui tu es et ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. And we thank you for bringing us here today. Et nous te remercions de nous amener ici aujourd'hui. Please be with us all as we seek to encourage students in our countries to live and speak for you. S'il te plaît, encourage-nous comme nous cherchons à parler aux étudiants pour parler de toi et vivre pour toi. We know that this work is not easy, but we know that with you, all things are possible. Nous savons que ce travail n'est pas facile, mais avec toi, tout est possible. So be with us, we pray, today and going forwards. Sois avec nous, nous prions maintenant et en allant aussi. Amen. 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 Okay, so today we are going to have a recap, a brief recap on what we covered yesterday. Aujourd'hui, nous allons récapituler brièvement ce que nous avons vu hier. And then the rest of the first session, we're going to talk about content. So what sort of things we can do to encourage students as we build up our movements. Et dans la session 3, nous allons parler du contenu, comment nous pouvons encourager les étudiants dans nos mouvements, dans nos associations. And then the final session will be about how we go forward from this conference. Et la dernière session sera comment nous allons de l'avant à partir de cette conférence. So yesterday we talked about starting and building our movements. Hier, nous avons parlé de commencer et construire une association d'étudiants. We looked at four things, which were why student work is important, looking after ourselves as leaders, reflecting and evaluating where we are now, and building our team. Et hier, nous avons couvert quatre sujets. Pourquoi le travail parmi les étudiants est important, comment nous pouvons nous occuper de nous-mêmes, comment nous pouvons réfléchir et évaluer là où nous sommes actuellement et comment nous pouvons bâtir notre équipe. And I hope from all that you've been hearing from me and other speakers, you realize how important work amongst students is. Et je veux espérer que ce que vous avez entendu de moi et des autres orateurs vous a montré combien était important le travail parmi les étudiants. Our students are the future. Nos étudiants sont le futur. They have the opportunity to change not only our profession, but also our countries. Ils ont l'opportunité de changer non seulement notre profession, mais aussi notre pays. And if they do this as Christians filled with the Spirit of God, then so many things are possible. Et s'ils le font en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, il y a tellement de choses qui seront possibles. And as we have seen in the Bible from many different Bible characters, God often uses ordinary, weak people to do his work. Et comme nous l'avons vu au travers de beaucoup de personnes dans la Bible, Dieu utilise des gens ordinaires, des gens simples pour faire son œuvre. The second session yesterday was about training our leaders.
La deuxième session hier était en rapport avec la formation des leaders. Why training is important, why, how we can select our leaders and how we can develop them. Pourquoi c'était important, c'est important de former les leaders, comment nous pouvons choisir nos leaders et comment nous pouvons les développer. I showed you the using how we can do this using Jesus's model. Et comment nous pouvons utiliser le modèle de Jésus, les 3, 12, 72. We looked at having different groups of people. So we looked at the 3, the 12, and the 72. Mm-hmm. Nous avons regardé à différents groupes de personnes, les 3, les 12, les 72. There were a couple of questions about this yesterday that I want to answer. Somebody asked if the numbers had to be exact. If your movement and, yeah, and I'll explain that a bit more now. Alors, quelqu'un, je veux en répondre à des questions qui m'ont été posées hier. Quelqu'un a demandé si le nombre devait être exact. It depends how big your movement is at the moment as to how you can apply those principles. Alors, ça dépend de la grandeur, en fait, de votre mouvement pour que vous puissiez appliquer ces principes. So, if you have a very small movement, perhaps you're the only person, it may be just about either getting on with the work yourself or finding someone else to join with you. Alors, si vous êtes seul, cela dépend donc si vous devez faire le travail vous-même ou trouver quelqu'un qui va vous aider. If you have a slightly bigger movement, perhaps you will be building your team of 12 people. Mais si vous avez un groupe qui est plus grand, à ce moment, peut-être que vous voudrez bien construire votre groupe de 12 personnes. And it doesn't have to be exactly 12 people. It can be more or it can be less. Et ça n'a pas besoin d'être exactement 12. Ça peut être plus ou moins. It's about having a group of people that you are close to that can help you in your mission. C'est en rapport avec avoir un groupe de personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider dans votre mission. And as you do that, you're training and encouraging them. Et pendant que vous faites cela, vous les encouragez et vous les formez. So, I want to explore this a little bit further today before we dig into the content that we can give to our students. Alors, je voudrais qu'on parle un peu plus du contexte aujourd'hui de la fondation avant que nous n'allions plus loin dans le contenu de ce que nous pouvons donner à nos étudiants. But it's important that we have the correct foundation as we build our movements. Il est très important que nous ayons la fondation correcte, la bonne fondation pendant que nous bâtissons notre association. And I think there are 4 important things here. Il y a 4 choses importantes ici. Firstly, all that we do needs to be built on prayer. Premièrement, tout ce que nous faisons doit être fondé sur la prière. 2 Chronicles, chapter 7, tells us that we are to humble ourselves in prayer and then we will hear from God. Le chapitre 2 Chroniques 7, verset 14, nous dit que si nous nous humilions dans la prière, nous allons entendre de Dieu. The second thing is that we need to be rooted in the Word of God. La deuxième chose, c'est que nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. And like the psalmist says in Psalm chapter 1, those who are rooted in the Word of God are like trees planted by a river. Et comme le dit le psaume 1, versets 2 et 3, ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu sont comme des arbres plantés près de courants d'eau. The third is that we need to be filled with the Holy Spirit. La troisième chose, c'est que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. The Spirit that will guide us and direct us in all that we do. Le Saint-Esprit qui va nous diriger et nous guider dans tout ce que nous faisons. 2 Timothy tells us that the Spirit of God is in those that follow Jesus Christ. 2 Timothée 1:7 nous dit que le Saint-Esprit est dans ceux qui suivent Jésus-Christ.
And that spirit gives us power, love, and self-discipline. Et cet esprit nous donne le pouvoir ou la puissance, l'amour et le contrôle de soi. The final thing is that we need to be centered on Christ and his glory. Et la quatrième chose, c'est que nous avons besoin d'être centrés sur Christ et sur sa gloire. And as we read in Matthew chapter 6, verse 33, we are to seek God's kingdom first and all of his righteousness. Then everything else will be added to us. Et comme le dit Matthieu 6, 33, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes choses nous seront ajoutées. So as I was saying before, you have to apply all of these things that you're hearing today to your context. And we're all from different, all of our movements are at different stages and steps. Alors, comme je l'ai dit auparavant, vous devez en fait appliquer tout ce que vous allez apprendre de cette conférence à votre propre contexte. Et nous savons que les associations sont à différents niveaux maintenant. Certains ont commencé, certains sont déjà établis, certains sont en train de grandir. So if you're just starting out, it might be about finding others to help you, having an event where you can communicate the vision of the movement, or having an example event for people to find out what you're Alors, all si about. Vous êtes... OK. Si vous commencez seulement, vous, le, pour vous, le, ça, ça, le, ça pourra être trouver d'autres personnes pour vous aider, ou bien préparer un événement pour communiquer votre vision, ou bien un événement pour donner un avant-goût de ce que vous faites. If you're a small movement, perhaps you have a group on a campus or a group of students that meet together and want to be part of ICMDA. Alors, si vous avez déjà un mouvement qui est tout petit, et que vous voulez, enfin, vous êtes tout petit et vous voulez, vous êtes déjà établi sur un campus. It may be that you want to start a group on another campus or organize an event for your, either regionally within your country or a national event. OK. Donc, si vous vous êtes déjà établi sur un campus, pour vous, c'est peut-être d'aller commencer un autre mouvement, une autre association sur un autre campus, ou bien d'organiser un événement national ou régional pour vous faire connaître. Perhaps your movement is a little bit bigger and you are looking to do more things. Peut-être que votre association est déjà un peu grande et vous voulez faire de nouvelles choses. You may need to have leaders on each of your campuses. Vous pourrez avoir besoin d'avoir des leaders sur chacun des campus. You may want to develop leadership teams. Vous pourriez vouloir développer une équipe de leaders. And I think if you want to do this, you need to look at how you are training and developing your leaders to do the work. Et si vous voulez établir cette équipe de leaders, vous devez voir donc comment les former et les développer. Perhaps you are part of a large movement. Peut-être êtes-vous, ça dit, un grand mouvement. If that's the case, you need to have a structured approach to your organization. Dans auquel cas, vous avez besoin d'avoir une approche structurée de votre organisation. And perhaps create an environment where leaders are leading and training other leaders. Et peut-être créer cet environnement dans lequel les leaders sont en train de lead, enfin, de conduire les autres et de les former à devenir leaders. The movement in the UK is very big. We have 6,000 members. Alors, le mouvement ou l'association en Angleterre est très grand. Nous avons 6,000 membres. We have 24 members of staff. Nous avons 24 staff. Lots of volunteers. Et beaucoup de volontaires, pardon. Because of this, we structured into departments. À
cause de cela, nous sommes structurés en départements. We have a department for doctors, a department for nurses, a department for students, and a department for global work. Alors, nous avons un département pour les docteurs, un département pour les infirmiers, un département pour les étudiants, et puis un département pour les travailleurs globaux. This is backed up by an administration department as well. Et nous avons aussi un département pour l'administration. Somebody asked yesterday about our staff and our volunteers. Quelqu'un a demandé hier par rapport à nos staff et nos volontaires. And to do our work, we have a mixture of both. Et pour faire notre travail, nous avons une combinaison des deux, des staff et des volontaires. Many of our staff members do this job alongside their clinical work. Alors, beaucoup de nos staff travaillent en même temps qu'ils font leur travail clinique. And our volunteers will help in their spare time. Et les volontaires vont aider dans leur temps libre. So now what I would like us to do is I'd like to hear from everybody on this call how things are going in your country. And I've set up a little kind of a piece of paper that we can all write on. Okay. Alors, j'aimerais maintenant entendre, en fait, comment ça se passe dans vos pays, puisque hier, elle nous avait fait écrire une réflexion. Donc, elle veut entendre le résultat des réflexions. Et on peut avoir un papier sur lequel nous allons tous écrire. Alors, elle a donné un lien. Yeah, and I've put a link to it in the chat, and you should be able to open it. Alors, elle a donné un lien dans le chat. Nous devons être capables d'ouvrir ça. Et donc, je suppose écrire dessus. If you press the button in the corner, you can add to the board. So you can put what country you can, and you can type in French or English. It doesn't matter. You can put what country you're from. Alors, si vous regardez dans le coin, il y a comme un bic. Si vous pressez, enfin, vous appuyez dessus, ça va vous donner une partie où vous pouvez écrire d'où, de quel pays vous êtes. And then write what, how, what the student movement is like in your country and your involvement in it. Et vous pouvez écrire comment est l'association des étudiants dans votre pays et ce que vous faites dedans. So if everybody goes onto the board, hopefully they'll be able to edit. They can add to the board. And we'll just do that for 5 minutes. Donc si tout le monde va sur ce tableau-là en ligne, donc ils peuvent tous écrire dedans et nous avons 5 minutes pour faire ça. And what would also be helpful to know is what you think the need is amongst your students. So thank you for filling in the whiteboard. You can continue filling it in whilst I talk because it will be useful at later. Okay, merci d'avoir rempli le tableau blanc. Vous pouvez continuer de le remplir après que j'ai fini de parler puisque ça sera utile plus tard. I'm now going to talk about a few things that you can do to help on your campuses and with your students. Je vais maintenant parler de certaines choses que vous pouvez faire pour aider sur les campus et sur les enfin et aider les étudiants. So one of the most important things is having meetings on campuses whether those are or small groups. Alors, l'une des choses, c'est d'avoir des réunions sur les campus, même si c'est des petits groupes.
Building up a community of Christian healthcare students that are committed to encouraging and building one another up is very important. Alors, construire une communauté de chrétiens dans la santé, d'étudiants, en tout cas dans la santé, qui sont engagés pour encourager et se bâtir les uns les autres est très important. You have to help students to capture the vision of your movement. Vous devez aider les étudiants à capturer la vision de votre association. That is how you get them to stay committed. Et c'est ainsi que vous les amenez à rester engagés. As a student, I was so inspired by seeing Christian doctors who were more senior than me, who were good at their jobs as doctors, but also loved Jesus. Alors, quand j'étais étudiante, j'étais tellement inspirée, encouragée de voir des médecins seniors qui non seulement étaient très bien dans leur travail, mais étaient des chrétiens et qui démontraient leur foi. I remember the first time somebody from CMF came to visit my university. After the talk, I knew that I wanted to be like them. Et je me rappelle la première fois que quelqu'un de CMF est venu sur mon campus pour parler du mouvement. Après la conversation, je savais que je voulais faire partie de ce mouvement. And as we said yesterday, we grow up in our medicine and our dentistry, but we also need to grow up in our faith. Et comme nous l'avons dit hier, nous grandissons dans la médecine et dans la dentisterie, mais nous devons aussi grandir dans notre foi. There are so many different things that you can do, and I've just given four examples here. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais je vais vous donner seulement quatre exemples ici. You can run a prayer meeting, perhaps a Bible study, have a discussion about a medical issue, or perhaps interview a graduate doctor or dentist. Alors, vous pouvez avoir des réunions de prière ou des réunions d'études bibliques, ou bien avoir des discussions par rapport aux difficultés de médicaux, enfin aux problèmes relatifs à la médecine, ou bien interviewer quelqu'un qui a soutenu. And especially if your movement is small, these can be done without much work. Alors, spécialement si votre association est petite, ceci peut être fait sans beaucoup de travail. All you probably need to do is set up and send out a Zoom link. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre en place un lien Zoom et l'envoyer. So here are some examples of some resources that you can use yourself or can help you as you conduct meetings. Alors, voici un ensemble de ressources que vous pouvez utiliser vous-même ou bien que vous pouvez utiliser lorsque vous faites des réunions. So, for example, if you were running a weekly or monthly prayer meeting, you could use the ICMDA prayer diary as your basis. Alors, si vous utilisez, c'est-à-dire si vous avez des réunions de prière hebdomadaires, vous pouvez utiliser cet agenda de l'ICMDA et utiliser les sujets de prière qui y sont. And this is available on their website and also on an app called PrayerMate. C'est disponible sur le site web de l'ICMDA, mais aussi sur un autre site qu'on appelle PrayerMate. The other thing you can do is there's lots of people have already created Bible studies. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que des gens ont déjà créé des études bibliques. So Synapse is a Bible study program created by the Australian CMF movement.
Donc, Synapse, c'est un programme d'études bibliques créé par l'association de l'Australie. They tackle issues specifically aimed at healthcare students. Et ils touchent à des problèmes spécifiques aux étudiants en médecine. So, for example, ou en soins de santé. So, for example, you can see here under one, the dangers of being a healthcare student, drifting and entanglement. Alors, ici, vous pouvez voir, par exemple, sous le 01, les dangers d'être un étudiant en soins de santé. C'est-à-dire être, comment on dit, entanglement. How will I say that? Entanglement. It is in my head, but the word is not coming. être attaché, enfin, emmêlé, voilà, emmêlé. C'est ça, emmêlé, être emmêlé. The other thing is doctor's life support, which I know is translated into French. Il y a une autre ressource qui s'appelle le doctor's life support, le support de la vie des docteurs, qui est traduit en français. So every day there is a short devotional aimed at Christian doctors and dentists. Et tous les jours, il y a une courte méditation dirigée vers les docteurs et les dentistes. And so perhaps you could use one of these to base a meeting on. Et vous pouvez utiliser donc une de ces ressources-là pour votre réunion. The other thing you can do is if you wanted to talk about an issue that is from a Christian perspective, that is also something you could do in a meeting. Vous pouvez aussi parler de certains problèmes de la perspective chrétienne. Et donc, vous pouvez faire ça dans vos réunions. On the CMF UK website, we have CMF files, which are which look at ethics from a Christian perspective. Et sur le site de CMF Angleterre, nous avons CMF files, les dossiers de CMF qui regardent à l'éthique de la perspective chrétienne. There are also other resources on the ICMDA website. Such as The Human Journey, which is written by Peter Saunders. Et il y a d'autres ressources sur le site de l'ICMDA comme le voyage de l'humain qui est écrit par notre orateur principal, Peter Saunders. And also a bioethics course run by Professor John Wyatt. Ou bien des cours de bioéthique dirigés par le professeur Wyatt. And another thing is you can invite a doctor to come and speak about their experiences of being a Christian in healthcare. Et autre chose, vous pouvez inviter un docteur qui viendra parler de son expérience de médecin et chrétien. Here is an example of a doctor who spoke at one of our student groups last month. Et voici un exemple, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait pour un docteur qui est venu pour parler de son expérience le mois dernier. And now with Zoom, the doctor works in a different area from where the students are based, so she was able to join on Zoom. Alors, avec Zoom, maintenant, les médecins peuvent joindre de n'importe où les étudiants sont. All of the resources and that I mentioned, I'm going to send to Jean-Paul to distribute to you all so that you can access them because most of them are freely available online. Okay, toutes les ressources que j'ai mentionnées, je vais en envoyer les liens au docteur Jean-Paul Dansou pour qu'il puisse nous les distribuer puisque c'est gratuit. Enfin, la plupart d'entre eux sont gratuits. The next thing is thinking about organizing a conference. La chose suivante, c'est de penser à organiser une conférence. And again, it doesn't have to be a lot of work to do. Et ça n'a pas besoin d'être beaucoup de travail à faire.
I'm sure many of you have heard about saline. Je suis sûr que beaucoup de vous ont entendu parler de saline. Saline. A course that helps you to share your faith in the workplace with patients and colleagues. Un cours qui vous permet de partager votre foi avec les patients et vos collègues sur le lieu de travail. Because in many of our countries, more patients, more people walk through the doors of a hospital or a clinic than they do into churches. And so it's a great place to reach people. Alors, dans beaucoup de nos pays, en fait, beaucoup de gens travaillent plus dans les hôpitaux que dans les églises. Donc, c'est une grande opportunité. So, if you're interested in running a course, you can contact IHS Global about running a course online in your country. Alors, si vous êtes intéressé à faire un cours de saline process, vous pouvez contacter quelqu'un de IHS Global. The other thing is organizing a conference specifically for students. L'autre chose est d'organiser une conférence spécifique aux étudiants. In the UK, we run a conference every year for our students, and it's one of the highlights of our year. Et en Angleterre, nous organisons une conférence annuelle pour nos étudiants, et c'est vraiment la quintessence en fait de ce que nous faisons. Earlier this year, we looked at the book of Philippians, and Peter Saunders helped us to think about that as Christian doctors, nurses, and midwives. Alors cette année, nous avons parlé du livre de Philippiens, et Dr. Peter Saunders nous a aidé à regarder à ça pour les infirmiers et les docteurs. And I'm just going to show you an example, show you the program so you can get ideas of things that you could run in your country. Et je vais vous donner un programme ou des idées de programmes que vous pouvez faire dans vos pays. Okay, so this is the program for our conference that we sent to our students. Ça, c'est le programme de la conférence que nous avons envoyé à nos étudiants. We had a little introduction to try and excite the students about the conference. Nous avons donné une petite introduction pour intéresser les étudiants à cette conférence. We wanted to encourage them to shine bright as Christian students in their campuses. Nous avions voulu, en fait, les encourager à briller fortement sur leur campus. We had 400 students and had 18 seminars through the weekend. Alors, nous avons 400 étudiants et 18 séminaires qui ont été faits durant le weekend. This is an example of our program that we did. Voici l'exemple du programme que nous avons fait. It ran from Friday to Sunday. Qui a commencé le vendredi et s'est terminé le dimanche. And it was hosted in a conference center. Et ça a eu lieu dans un centre de conférence. As you can see, it was a mixture of seminars and Bible talks. Comme vous pouvez le voir, c'était un mélange de séminaires et de discussions bibliques. And even though it was organized by the staff at CMF, our students were heavily involved in running the conference. Même si cela était organisé par le staff de CMF, les étudiants étaient impliqués fortement durant toute la conférence. And I'll just go through so you can see the types of seminars that we did. The key aim was that they were related to faith and healthcare. Alors, je vais
passer au travers pour que vous puissiez voir comment ça a été fait. La plupart du temps, ça s'adressait, n'est-ce pas, à la foi et à la médecine, enfin, à la, aux soins de santé. And because we get lots of different types of people coming to our conference, we also made sure there were a few seminars that were on the Christian faith and how to live out your Christian faith. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui viennent à ce type de conférence, nous nous sommes assurés qu'il y avait des ressources sur la foi chrétienne et comment exprimer sa foi chrétienne. When we are deciding what seminars to run, we try and address the issues that our students are facing and the questions that they may have. Alors, quand nous avons décidé le type de conférence que nous voulions faire, nous avons essayé de répondre aux besoins, aux difficultés des étudiants et aux questions qu'ils avaient. And again, I will send a copy of this with the resources pack, so you can use, you can get ideas. Je vais envoyer tout cela pour que nous puissions avoir des idées. We have a saying in CMF in the UK, which is that Christian plagiarism, so copying other people's work, is the highest form of flattery. Christian plagiarism, you say? Plagiarism, yeah. You know when you copy someone else's work. Okay. Okay, plagiat. Plagiat. Alors, nous avons une maxime en Angleterre qui dit que le plagiat est... Can you repeat the sentence again? So Christian plagiarism is the highest form of flattery. Alors, nous avons l'habitude de dire que le plagiat chrétien est la plus haute forme de flatterie. So, like is written in Ecclesiastes, nothing is new under the sun and we don't need to keep reinventing the wheel. We can use other people's resources. Alors, comme il est écrit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, donc nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles ressources. Nous pouvons juste utiliser celles existantes. Okay, so that's conferences. Oh, and then, oh, the final conference that I said I was going to talk about is every year we run a leadership conference for our student leaders. Alors, la dernière conférence dont je voulais parler, c'est la conférence des leaders que nous faisons seulement pour les leaders des associations, bien sûr. This is for our 72. Ceci, c'est pour nos 72. And here is an example of the program. It was, again, run over a weekend. Voici un exemple du programme et c'était sur un week-end encore, de vendredi à dimanche. And we, there were four specific sessions that we covered. Nous avons couvert quatre sessions spécifiques. We wanted to help people to understand about our movement and why being a Christian leader is important. Nous voulions qu'ils comprennent notre vision par rapport à notre association et pourquoi être chrétien était important. So we explained how we started and the structure that we used to run the organization. Alors, nous avons expliqué comment nous avions commencé et la structure que nous utilisons pour diriger l'organisation. And as one of the questions said yesterday, we also talked about how we work with other Christian student movements. Et voilà l'une des questions qu'on avait posées hier. Nous expliquons aussi comment nous travaillons avec les autres associations chrétiennes.
The second session looked at resources, so things like Bible studies, Christian medical discussions, and other types of things that people can do with students. Alors, la deuxième session a couvert beaucoup de choses, comme par exemple les discussions sur des sujets chrétiens, des médicaux et chrétiens, et le genre de choses qu'ils pouvaient faire avec leur chapitre. The third section talked about discipleship and mentoring. La troisième session a parlé du discipulat et du mentoring. So we try and encourage older students to mentor and disciple younger students. Alors, nous avons demandé donc aux leaders de mentorer et de faire des disciples parmi les jeunes étudiants. And we encourage older students to be discipled and mentored by junior graduates. Et nous avons aussi encouragé les plus vieux étudiants à être mentorés et des disciples des jeunes qui ont déjà soutenu, des jeunes docteurs. And because we know everybody is very busy, we have a simple formula. Et parce que nous savons que tout le monde est occupé, nous avions une formule très simple. It's called once. C'est appelé une fois. So, you agree to pray for somebody once a week. Oh, okay. Vous êtes d'accord pour prier pour quelqu'un une fois la semaine. You agree to send a message once a month. Vous acceptez d'envoyer un message une fois par mois. You aim to have a conversation once a term or semester. Vous devez avoir une conversation trimestriellement ou semestriellement. And you aim to meet up once a year. Et vous devez vous rencontrer une fois l'an. Hopefully something that is manageable for even the busiest student or consultant. Espérant que c'est quelque chose qui peut être vraiment fait par même les plus occupés. The final session is about helping the students to plan their programs for the year. Et la dernière session, c'est aider les étudiants à planifier, programmer leur année entière. And I'm going to show you an example of this in just a second. Et je vous montrerai un exemple de ceci dans une seconde. As you can see from the list of people involved, it was a mixture of staff and students, student volunteers. Comme vous pouvez le voir, c'était un mélange dans cette liste-là, c'était un mélange d'étudiants et de staff, d'étudiants volontaires et de staff. And even though we're training other training student leaders, we use it as an opportunity for our students to be involved and train their peers. Alors, même si c'était informer les leaders, nous avons utilisé nos étudiants pour leur apprendre à former leurs pairs, P-A-I-R-S. I'm conscious of the time, so I'm just going to share one more thing before we have time for questions. Je suis consciente du temps. Je vais juste partager encore une chose avant la session des questions. I'm going to talk about print and digital resources, but I wanted to show you an example of a program for the year. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un programme pour l'année. Je veux parler des impressions et du digital après. So this group have had three events this term.
Alors, ce trimestre se groupe à trois événements. They had a social. Un événement social. Une session sur. Then a session on mental health looking at it from the Bible, and then an interview with a consultant. OK. Donc, une interview avec un consultant, une session sur la santé mentale, et puis quelque chose de social. This group. Ce groupe. So this was earlier, so last year, they had these different events, which were a mixture of social events, talking about ethical issues and living as a doctor. Alors, le groupe d'Edinburgh, lui aussi, a fait des événements. Donc, ils ont parlé de l'avortement, de l'éthique, et puis des événements sociaux. And this helpfully takes me on to digital resources, of which and print resources. Alors, ceci m'amène, n'est-ce pas, à des ressources digitales et imprimées. I'm not sure if it's the same in your countries, but Instagram is very big among students in the UK. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais Instagram est vraiment très, très large parmi les étudiants. So we encourage our student groups to have an Instagram account where they can post what they're doing and encourage people to join. Donc, nous encourageons nos étudiants à avoir un compte Instagram où ils vont poster ce qu'ils sont en train de faire et encourager les gens à les y rejoindre. Our National Student Movement also has its own Instagram account. Et notre mouvement national a aussi son propre compte Instagram. We've made a commitment to pray for every single student member by name across the year. And so each week we post a picture from one of the medical schools, and you can see a few. Alors nous sommes engagés à prier pour nommément pour chaque étudiant durant l'année, et donc chaque fois nous postons des images avec les noms dessus. Another thing that we've started doing is uploading more videos. Et ce que nous avons commencé à faire, c'est de charger plus de vidéos. So this one, there's no sound. This one is of John Greenall, who some of you may know. He's the associate CEO at CMF UK. And he's talking about what he wished he knew when he was a student. Alors, cette vidéo qui n'a pas de son est de John Greenall, qui est l'adjoint au CEO de l'Angleterre et qui parle de ce qui s'indique de combien il regrette n'avoir pas su certaines choses quand il était étudiant. So yeah, follow us on Instagram if you want. You're very welcome. Vous pouvez suivre sur Instagram si vous voulez. The final resource I want to tell you about is our student magazine. La dernière ressource dont je veux vous parler est le magazine de nos étudiants. I know some of you get a copy in the post. Certains d'entre vous ont eu des copies dans le post. It's also freely available online. C'est aussi gratuitement disponible en ligne. We aim to produce 3 editions a year. Nous sommes donnés comme but d'en produire 3 par an. And currently, they are around a particular theme. Et ils ont des thèmes particuliers. So we've looked at, for example, beginning of life, end of life, sexuality and mental health. Par exemple, nous avons parlé du début de la vie, de la fin de la vie, de la sexualité ou bien de la santé mentale. We also have a special edition for those that are starting university.
Nous avons aussi une édition spéciale pour ceux qui commencent l'université. And as you can see, we've got articles like How to Survive Medical School and Manage Your Time Well. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des ressources sur comment survivre dans une école médicale et comment gérer votre temps. We're fortunate enough to have a graphic designer, so we can make it look really nice. Alors, nous sommes vraiment bénis d'avoir un dessinateur graphique, donc nous pouvons faire que ça soit beau à voir. But you can start very simply. There's lots of places where you can create free blogs and websites. Alors, vous pouvez commencer simplement. Il y a beaucoup d'espaces dans lesquels vous pouvez créer des blogs et des websites gratuits, des sites web gratuits. And I will put in the chat where you can find all of these. You can find this for free. Et je vais mettre ces ressources là dans le chat. Okay, so today we have, in this session, we've talked about lots of different resources lots of different things you can do with your students. Dans cette session, nous avons parlé de beaucoup de choses que vous pouvez faire avec vos étudiants. One, I think starting up with meetings on campus is really important. Commencer avec des réunions sur les campus, c'est très important. And again, these can be something very simple, and you can borrow resources from other countries. Et ceci est très simple, et vous pouvez emprunter des ressources d'autres pays. The second is to consider organizing a bigger event, like a weekend conference. Alors, la deuxième chose, c'est de penser à organiser de plus grands événements, comme une conférence sur le week-end. A way of bringing students together and getting them excited about the vision for the movement. Une façon d'amener les étudiants ensemble et de les intéresser à la vision. I've also shown you how you can run a student training event for your leaders. Je vous ai aussi montré comment vous pouvez organiser une formation pour vos leaders. And finally, we talked about print and digital resources that you can use to build your movement. Et finalement, nous avons parlé des ressources imprimées et digitales que vous pouvez utiliser pour vos événements. And now is a short time for questions. Maintenant, nous avons un court moment pour les questions. OK, merci beaucoup, Rachel. Merci pour ton partage ce matin. Thank you so much, Rachel, for your share this morning. C'est vraiment un challenge, hein? Un vrai grand challenge pour nous qui écoutons. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. It's a very big challenge for us. Il y a beaucoup de choses qui brûlent dans nos cœurs, mais pour la plupart de nos associations, ça reste vraiment un défi de trouver des hommes et des femmes qui puissent vraiment être aussi engagé pour faire autant de choses. Mais nous avons la foi que ça arrive, une nouvelle génération s'élève. Et vraiment, merci pour ce partage. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de savoir qu'il y a plus, qu'il y a des choses à faire. Et ça nous permet aussi de mieux planifier. Merci beaucoup. Nous allons demander aux gens de poser des questions. Vous pouvez laisser vos questions sur le chat ou carrément lever la main, poser vos questions. Alors, ne vous inquiétez pas, vous seront transmis. Bon, tous ceux qui sont déjà sur nos deux principaux forums, le forum des étudiants, le forum des médecins, doivent avoir déjà reçu toutes les présentations déjà faites. Donc, tous les liens, tout ce que je recevrai de Rachel, vous sera transmis intégralement. Et ouvrez, je sais pas, un dossier, mettez un dossier quelque part et puis mettez tout ça dedans. Ça vous permet
de vraiment avoir une caisse à outils pour pouvoir à chaque fois faire grandir vos associations. Donc, les questions, vos questions sont les bienvenues pour cette session. Il n'y a pas de questions. Oui, Lambert. Oui, docteur Lambert. Je voudrais remercier Rachel. I would like to thank Rachel. Un peu comme Jean-Paul le disait, c'est une somme d'informations extrêmement dense en peu de temps. As Jean-Paul was saying, it's a sum of information very heavy to assimilate in so little time. C'est facile à assimiler. Seulement, je pense que c'est un témoignage de leur activité qui va nous aider pour être plus efficace avec les étudiants. This can be easy to assimilate, and I think that this is a testimony of what you have been doing that we encourage us to do better. Mes activités ne sont pas centrées à l'université avec des étudiants. My activities are not based on students. Mais je compte sur le Seigneur pour m'aider à être fidèle, pour être une personne ressource pour accompagner les étudiants avec toutes ces choses que je viens de recevoir. I'm counting on the Lord to be a faithful resource that the student can count on to help, you know, to accompany them in the process. Pour with aider, everything I've received this morning. Pour aider à développer un leadership chrétien au milieu des étudiants. To help develop a leadership, a Christian leadership among the students. Mais je vais le faire dans un contexte où il y a beaucoup de mouvements chrétiens déjà à l'université. But I'm gonna do it in a context where there are already a lot of Christian movement on the campuses. Donc besoin de beaucoup de sagesse pour que quels que soient les mouvements qui existent, que ces outils soient, comme disait Jean-Paul, une boîte à outils pour qu'ils puissent se développer. And I really need a lot of wisdom for that toolbox that I've received to be useful. Sinon, je n'ai pas de questions proprement. Merci beaucoup. I don't have questions, actually. thank you very much for your comments. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Lambert. Merci. You have to remember that Rome wasn't built in a day. Docteur Lambert, rappelez-vous que Rome n'a pas été bâtie en une journée. CMF in the UK has been running for 70 years. Alors, vous devez savoir que le CMF en Angleterre existe depuis 70 ans. And I know that some of your movements are only a few years old. Et je sais que certaines de ces associations n'ont que quelques années. Oui, en effet. Merci. Merci beaucoup. Yes, indeed. Oui, évidemment, il faut que nous apprenions la patience. Je crois que c'est que nous devons ne pas prier et demander au Seigneur vraiment qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et faire ce que nous devons faire aujourd'hui. Tout en ayant la vision globale, générale de ce qui peut être fait. C'est ça qui est vraiment important. Le défi sur le campus que tu as dit, la présence de plusieurs groupes chrétiens, c'est un défi général et global, hein, partout. Mm-hmm. Mais comme on l'a dit hier, c'est vraiment important de rendre notre vision spécifique, de proposer des choses spécifiques.
vraiment pointu, spécialisé. On sait que c'est l'équipement de l'étudiant en médecine chrétienne et puis les matériaux, les enseignements, les trucs doivent être spécifiques. Ce qui permet aux étudiants de se rapprocher de nous et aux autres groupes de nous laisser leurs membres petit à petit et de comprendre qu'on n'est pas venu voler leurs membres, mais on est venu plutôt équiper leurs membres. Et moi, j'encourage beaucoup plus cette vision de la chose où on n'est pas dans la vision d'avoir beaucoup de gens, d'amasser beaucoup de gens, mais qu'on soit dans la vision d'abord de service, de pouvoir servir ce que nous avons, même si quelqu'un est dans un autre groupe, mais qu'il est étudiant en médecine, on peut servir nos ressources à cette personne-là. Il peut rester dans le groupe, mais notre objectif, ce n'est pas forcément de le rappeler, de l'amener dans notre groupe, pour qu'on puisse dire que le nombre de nos membres augmente. Non, notre objectif, c'est quoi? C'est de faire des disciples de ces gens-là. Ils peuvent rester dans leur groupe, mais une fois qu'ils peuvent être un témoignage, un reflet de Christ dans leur lieu de travail, dans leur communauté, nous avons atteint notre objectif. Donc, nous devons rester dans cette optique. On ne vient pas comme ça au campus avec le genre, avec la vision que voilà, nous voulons faire un groupe, nous sommes les médecins, donnez-nous tous vos étudiants en médecine, et c'est nous qui savons faire. Mais non, on vient, on dit, OK, nous voulons servir vos étudiants, nous voulons les équiper, voilà, nous avons ceci, nous avons cela. Nous vous parlez de la vie chrétienne en général, mais nous, on parle des choses spécifiques pour l'étudiant en médecine, comment exceller dans ses cours, comment être au stage, comment faire son internat, comment faire sa thèse. Nous avons des trucs spécifiques que nous donnons. Et petit à petit, les autres groupes seront libres. Et puis, quand nous servons le ministère, nous servons le don, je crois que Dieu même va susciter parmi ces gens-là, des gens qui vont nous rejoindre. Naturellement, ils vont venir. Croyant ce que nous faisons, ils vont avoir envie de participer. Et les gens seront libres de nous rejoindre maintenant pour que nous puissions aussi avoir des gens engagés pour construire ce que nous venons d'entendre. Donc, je voudrais vraiment nous encourager à rester dans le dialogue et à rester dans cette attitude vraiment d'édification des uns des autres. Je crois que Luc a levé la main. Je Luc, peux? Ah, Luc, OK. Oui, tu peux. Non, je voulais résumer ça pour Rachel. OK, vas-y. OK, vas-y. Rachel. In fact, Jean Paul just said something very interesting. He said that we must not aim at having a lot of members, you know, but we must be very specific in equipping and training, you know, the Christian to shine. So this is what we must sell to the other association so that they will see that we are not there to steal their members. That if we keep on doing that, then the member will naturally come themselves to us to be equipped and trained, to be better Christians. Definitely. And the thing I would add is, I think that this, our movements have something very unique to offer compared to the other organizations. Et ce que je vais ajouter à ça, ce que je vais ajouter à ça, c'est que nos mouvements, vraiment, nos associations ont vraiment quelque chose d'unique à offrir aux autres, et c'est sur ça que nous devons vraiment nous appuyer. Thank you. I'm not sure if it's the same in your countries, but what we notice is there are many students who are keen to do Christian activities at university. But when they leave and they become busy, they can forget about their faith. Je ne sais pas si c'est la même chose dans nos pays, mais nous remarquons qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment engagés dans les activités chrétiennes quand ils sont étudiants. Mais une fois qu'ils quittent le campus, ils oublient même parfois leur foi. So yeah, we need to be building disciples for the future as well as for now. Donc, nous avons vraiment besoin de bâtir des disciples pour le futur, aussi bien que pour maintenant. Docteur okay. Luc? Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui avait demandé la main avant moi.
Charles. C'est Charles, oui. Oui, je pense que c'est mieux qu'il prenne la parole d'abord, oui, avant moi. D'accord. Charles, tu peux prendre la parole. Ah, ok. Merci beaucoup à Rachel pour sa présentation. Et thank you, Rachel. J'ai quelques questions. J'ai été vraiment touché par la conception de leur site et puis leurs images dans l'annonce de leur programme et tout. Donc, j'aimerais demander s'ils ont une formation au sein de leur association pour les étudiants eux-mêmes à établir, à mettre en place un site web et à faire les infographies, ou bien c'est d'autres personnes qui leur font ça. La deuxième question, c'est par rapport aux journaux. Ils ont rédigé par rapport à beaucoup de thèmes qui demandent une connaissance aussi dans ce domaine. Donc, j'aimerais demander s'ils ont un comité de lecture qui leur permette de lire des livres et d'explorer des thèmes avant d'écrire ces journaux. Merci. Okay, he has two questions. The first one is he was very impressed by the quality of the images he saw on the sites and printable resources. And he was asking if you have a training session for students among your activities to enable them to be able to do that, or you use an external resources. I mean, external resources. And the second question is, do you have a border of readers? Because he said that to be able to write these kinds of, you know, magazines, you need to have an extensive knowledge of each team. So what, how do you do it? Yeah, thank you for the question. With regards to the images, the students are teaching us. Alors, en ce qui concerne les images, ce sont les étudiants qui nous enseignent. Elle avait dit qu'il y avait un graphiste, en fait, dans l'équipe qui faisait ça. Yes, we have a graphic designer that works for us. So a lot of the stuff is designed by him. But the Instagram that I showed you is designed by the students. And there are lots of free resources that you can use to do the same things yourself. Alors donc, elle disait qu'il y avait un graphiste dans l'équipe qui les aidait à faire la plupart de ces designs, mais que pour Instagram, c'est les étudiants eux-mêmes qui le font et qu'il y a beaucoup de ressources gratuites que même nous pouvons utiliser pour faire ça. In the chat, I've put one graphic design resource. It's called Canva, and it's free. And you can design things for Instagram and Facebook, also flyers and posters as well. Yes. Elle a mis une ressource dans le chat que nous pouvons utiliser pour faire des designs pour Facebook, pour Instagram et pour les pamphlets, les booklets, les flyers, quoi. Hein? Comment on appelle ça déjà? Les trucs que nous donnons aux gens. Prospectus. Merci. The other thing is on YouTube, there are lots of tutorials that will show you how to create certain things. Et sur YouTube, vous avez beaucoup de tutoriels qui vont vous montrer comment créer beaucoup de choses. And a lot of the free, there are websites, sorry, there are companies that allow you to build free websites using templates. Et il y a beaucoup de compagnies qui vous permettent de créer des sites web gratuits utilisant déjà des exemples. And I've put some examples in the chat. Et elle en a mis dans le chat. Elle a mis des ressources dans le chat. So, Wix, WordPress, and there are others as well. So you can create something that looks very professional with very little effort. Donc vous pouvez créer beaucoup de choses qui sont très qui semblent être professionnelles avec très peu de ressources. And as I said before, nothing is new under the sun. So if you see something that somebody else has produced,
and you like the look of it, you can try and replicate it for your own event or conference. Et comme je l'ai déjà dit, il y a rien de nouveau sur le ciel, donc si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez juste répliquer cela. And yes, for the publications, you do need a team to create something that is of high quality. Pour les publications, vous avez vraiment besoin d'une équipe de très bonne qualité, de haute qualité. But you don't need to start. You don't need to start there. You could start very simply and have a blog. Mais vous n'avez pas besoin de commencer par là. Vous pouvez commencer plus simplement par un blog. And then you could build to something more substantial in the future. Et au fur et à mesure, vous bâtissez quelque chose de plus substantiel. So for our student magazine, we have quite a large editorial team. Pour notre magazine d'étudiants, nous avons une large équipe d'édition. But we try and get students to write and to be part of the process as much as possible. Et nous aimons engager les étudiants dans ce processus. So currently we have a student editor, and she, in our last edition, she commissioned most of the articles. Et actuellement, nous avons une étudiante éditrice dans notre équipe et dans le dernier magazine, c'est elle qui a fait la plupart des articles. And let me just show you our... Laissez-moi vous montrer. So you can see here, everybody who's involved, so quite a few different people. To get the content together. So a lot of people, along with the designer. Alors, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées avec le designer. And our articles are written by, different people. So staff members, doctors. Et nos articles sont écrits par beaucoup de personnes, des membres du staff ou bien des docteurs. Friends from other organizations. Et des amis d'autres organisations. So this doctor is from GBU. Ceci vient du GBU. And we also have students as well writing for us. Et nous avons aussi des étudiants qui écrivent pour nous. Ok, je pense que c'est mon tour maintenant. Oui, super. Avant de parler, je voudrais juste renchérir sur l'idée de publication. Je pense que on peut faire quelque chose de régional. On peut faire quelque chose de régional et qui pourrait être vraiment, vraiment très fort. Et moi, j'ai cette vision-là. Au lieu que ce soit, chacun peut faire son journal chez lui, hein, mais on peut aussi avoir un journal régional Afrique francophone, ce qui nous permettra de rassembler un peu toutes les ressources et toutes les énergies pour pouvoir faire quelque chose d'assez percutant. Donc, je lance un appel à tous les étudiants, à tous les médecins qui sont en ligne, hein. C'est une vision qui nous avons ce fardeau-là sur le cœur. Donc, je sais qu'il y a ici, des gens qui ont du skill. Nous avons un département de publication qui est même géré par le docteur Luc. Donc, un département de publication, un département de tout ça, qui est là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, si vous êtes vraiment intéressé par la publication, l'écriture, tout ce qui concerne le design et tout ce qui concerne la publication de livres, d'articles, la publication en ligne, ou même la conception de sites web et tout,
Merci de vous connecter à lui, parce que nous sommes en train petit à petit de rassembler les forces au niveau de la région pour faire des choses. On peut faire des choses, on ne dit pas de ne pas faire des choses sur le plan national, mais nous pensons que peut-être, même si c'est annuellement, on pourra avoir une revue annuelle de l'Afrique francophone, on pourra avoir le site ICMD Afrique francophone, on pourra avoir beaucoup de choses, ce qui nous permet de nous unir, hein, et de pouvoir avancer ensemble. Je vais pencher sur ça, si vous êtes vraiment intéressé. Vous voyez Luc après, écrivez à Luc. Luc, tu peux laisser ton numéro. Et puis, voilà, il va essayer de discuter avec vous. Merci, merci. Luc, tu peux prendre la parole maintenant. OK, merci beaucoup. Oui, j'ai d'abord, je présente mes excuses pour mon grand retard parce que mon organisme m'a lâché à un moment donné parce que la semaine a été vraiment stressante pour moi. Donc, toutes mes excuses pour le grand retard. Et à part cela, en fait, pour le peu que j'ai suivi, c'était vraiment intéressant et je rends grâce au Seigneur pour tous ces outils, tous ces éléments qui ont été donnés. Et tout cela nous prouve personnellement que, de toute façon, nous sommes sur le droit chemin, d'une certaine façon. Oui, je voulais parler un peu par rapport à la nécessité, effectivement, de tout faire pour avoir des mouvements fonctionnels sur les campus et partager un peu notre expérience. En fait, il y a une année où, pour ne pas éviter des problèmes, on se disait que, bon, les groupes qui sont déjà sur le campus, il n'y a pas de problème, ils vont travailler, on va travailler avec eux. Mais le résultat, c'est clairement décevant, parce que c'est vrai que globalement, de façon globale, ils ont l'objectif que les âmes soient sauvées et tout, mais ils n'ont pas cet objectif spécifique d'empowerment des membres futurs médecins comme nous par rapport à leur profession. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a amené cette année à changer carrément d'idée. Et par la grâce de Dieu, dès le mois prochain, on a prévu effectivement d'avoir des activités en de petits groupes avec les étudiants sur le campus, des activités qui sont dirigées en fait par les étudiants eux-mêmes. Et là, les outils que vous avez énumérés, en fait, depuis, je me demandais, bon, comment faut-il faire? Est-ce qu'il fallait moi-même développer encore les outils pour ça et tout? Donc, je n'avais pas encore de solution. Donc, je pense que les outils dont vous avez parlé, on pourra voir comment faire après, bien sûr, avoir prié et faire une bonne sélection. Et ça pourra effectivement nous aider. Merci. Et maintenant, par rapport aux autres éléments, oui, le fait d'avoir... le truc pour le graphisme, je voulais juste un peu appuyer. Il y a quelques années, en fait, dans le mouvement, en tout cas, ça fait au moins 2 à 3 ans que nous, on n'a plus jamais fait payer quelqu'un pour produire des trucs graphiques et tout. Au début, je me suis dit, bon, pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a un événement, il faut payer 5 000 ou bien 10 000 à quelqu'un ou lorsque tu veux passer un message nécessairement et tout. Donc, on a effectivement commencé avec ces petits éléments sur l'Internet en utilisant des tutoriels et tout. Et après, lorsque j'ai commencé, il y avait un autre étudiant qui m'avait dit, mais Luc, docteur Luc, comment est-ce que vous faites pour faire ce truc-là? Et je lui ai juste montré un peu le début. Mais aujourd'hui, lui, il le fait mieux que moi. Et pour la plupart des productions de trucs là, c'est à lui que je confie parce que lorsque moi je fais, ce n'est plus joli autant que ce que lui fait. Donc, il m'a dépassé et lui, il a même pu développer d'autres outils et tout. Donc, lorsque nous commençons et nous encourageons les gens, il y aura certainement des gens dans le groupe qui seront intéressés et qui vont nous aider. Et c'est vraiment un élément très important. Et le dernier point sur lequel je voulais parler, c'était
par rapport aux publications, oui, d'ordre général, mais spécifiquement et également par rapport aux publications sur le net. Et je pense qu'actuellement, les gens lisent même plus sur leur portable, sur leur ordinateur que sur des papiers. Donc, ce qui effectivement rend presque obligatoire pour nous en tant qu'association d'avoir des éléments vraiment qu'on puisse partager effectivement en ligne et tout. Depuis 2 ans, comme cela, on se disait, bon, il faut qu'on crée un site web pour notre pays et tout, mais ça ne marchait pas. Mais cette année, nous sommes en train de créer juste quelque chose, un petit blog pour commencer. Un blog non seulement pour les étudiants, on aura des éléments spécifiques qu'on publiera de temps en temps pour les étudiants, juste pour les encourager et juste également pour leur donner des outils pour en fait leur formation, mais également pour les médecins. On a également commencé aussi déjà à développer cela. Et par la grâce de Dieu, début de l'année prochaine, ça va commencer. Donc, c'est pour nous dire qu'en fait, ce n'est pas aussi difficile que nous le pensons. C'est très simple. Le truc de WordPress, si vous prenez, c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui peut vraiment nous aider à avoir de très bons éléments, des informations très bien designed pour vraiment notre public. Donc voilà, merci beaucoup. A summary for you, Rachel. Merci. J'y vais, Jean-Paul. Okay, a little summary is that he was encouraging the associations, you know, the movement to use the resources you have put down there, saying that it was not that difficult since he has started using it and encouraged people to do it, and they are even doing it better than him. So thank you. David de Burkina Faso, est également l'un des bénévoles de la région pour l'Afrique de l'Ouest. Tu peux poser ta question, s'il te plaît. Le temps est en train de partir, mais bon, c'est un bon moment d'échange. Allô, David? Oui. Allô, David? Oui, on attend. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que comme c'est une conférence donc francophone, on va aller en français et puis on va revenir un peu pour Rachel après, comme c'est fait. Je tenais vraiment à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis que cette activité puisse tenir. Merci aux uns et aux autres donc, pour l'effort qui est consenti pour cela. Je voudrais également particulièrement dire merci à Rachel. Je pense que j'ai eu l'occasion de la rencontrer au Royaume-Uni. Et vraiment, elle a partagé effectivement ses expériences avec nous. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et c'est un plaisir pour moi encore de l'écouter. Hier également, je l'ai suivi, mais la connexion n'était pas bien à mon niveau, donc je n'ai pas pu bien tout suivre. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai pu bien suivre. Et merci à elle pour sa disponibilité. Et je pense que tout ce qu'elle dit, il ne tombe pas dans le sourd, dans l'oreille d'un sourd. Et je pense que nous allons prendre bonne note et pouvoir avancer. Alors, je voulais peut-être aussi rejoindre le docteur Jean-Paul qui disait donc que ce n'est pas en fait le nombre qui est important. Et je pense qu'elle nous a donné quand même quelques ressources. C'est vraiment d'avoir effectivement une vie de prière et d'être enraciné, bien sûr, dans la parole de Dieu, être rempli donc par le Saint-Esprit et donc de centrer tout donc sur Christ et pour la gloire de Christ. Donc, moi, je pense que partant donc sur ces principes-là, si on a en tout cas, même si on est 2 ou 3 et qu'on s'unisse vraiment et qu'on met ces principes-là en pratique, je pense que le reste, ça va venir. C'est bien de grandir en nombre. Mais je pense que c'est bien aussi donc, de grandir en qualité.
Voilà. Moi, je préfère vraiment qu'il y ait peut-être 12 personnes, 15 personnes, mais qui sont vraiment solidaires, qui vivent vraiment, qui ont une vie vraiment santé sur Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui comptent vraiment sur la grâce de Dieu pour avancer, que d'avoir, par exemple, 1000 personnes et puis, bon, à la fin, on ne trouve personne. Voilà, parce que les expériences ont montré ça. Parfois, vous avez plusieurs personnes dans un groupe, mais après, bon, vous tournez, vous ne voyez personne. Donc, si on part vraiment sur ces principes, quelle qu'en soit la taille de votre association nationale actuellement, si vous partez sur le principe que tous ceux vraiment qui vont s'engager, tous ceux qui vont vraiment créer ou fonder ou en tout cas faire avancer ce groupe d'étudiants-là, doivent être des gens vraiment qui s'engagent pleinement, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui centrent l'activité donc sur Christ. Voilà. Je pense que si on part sur ces principes, on ne va pas trop se fatiguer. Mais si on est focalisé sur le nombre, pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller effectivement sur les campus, dire que voilà, ceci, cela. Les gens vont s'engager. Mais de la même manière qu'ils vont s'engager, ils vont disparaître après. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse utiliser effectivement le principe donc, des discipulats avec le système de mentoring. Et je pense que ça, nous allons pouvoir bâtir quelque chose de solide. Je pense que si au Royaume-Uni, actuellement, les choses sont telles qu'elles sont. Elle a même dit que c'est un travail de 70 ans. Voilà. Ça veut dire qu'au départ, ils ne se sont pas focalisés sur le nombre, en fait. Voilà. Peut-être que c'était deux personnes qui se sont unies et puis ensuite ça vient. Et tous ceux qui viennent s'engagent vraiment, en tout cas, de tout cœur, s'engagent vraiment pour le Seigneur et ça avance. Mais si c'était quelque chose de nombre, bon, ils pouvaient faire peut-être rassembler 1000 personnes et puis après ça disparaît et on n'a personne. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais vraiment dire, qu'on se focalise plutôt sur la qualité que sur la quantité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Okay, Rachel, this is David Savadogo. He said that he met you once in the UK and that you were very keen to share your resources with him. And that was very useful. And he wants to concur with Jean-Paul, saying that we are not focusing on the quantity of people, but rather on the quality, you know, using the mentorship and the discipleship training, you know, training program to produce quality people. That's all. Thank you. Ouais, vraiment merci, merci pour le partage. Je crois qu'avec des années dans le ministère, nous avons compris que avoir un petit groupe engagé qui se projette vers l'avant et qui crée des choses, qui produisent des choses. C'est ça que je voudrais encourager les étudiants, produisez des choses. Même si vous êtes 5, vous pouvez produire des vidéos, vous pouvez offrir des choses et soyez en action. Alors, les gens vont voir de l'extérieur, ils vont voir que mais, les gens là, vraiment, c'est intéressant. Ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Moi, je veux participer à ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas aller chercher les gens, demander aux gens de venir. Il faut être et faire. Et puis les gens seront attirés, les gens auront envie d'aller voir ce qui se passe. Et c'est ça ce que nous devons faire. Et puis, de proche en proche, et puis en insistant sur le discipulat, en insistant sur la formation, je crois que nous allons aussi atteindre le stade là de UK très rapidement. Que le Seigneur vous bénisse.